130 fois par an, l'eau monte de 90 cm et inonde la place Saint-Marc. 60 fois par an, son niveau atteint les 110 cm. Mais avec le dérèglement climatique, ces aquas alta atteignent de plus en plus souvent les 140 cm de hauteur, provoquant d'importants dégâts dans la ville. Pour faire barrage à l'eau, les scientifiques cherchent en permanence de nouvelles techniques. Et c'est aux portes de la lagune qu'ils ont imaginé en 2003 un projet d'envergure pour protéger Venise. Le MOSE, ce projet titanesque, qui signifie en français Moïse, en dit long sur la volonté démesurée de l'homme de contrôler cette force colossale qui lui échappe. Le MOSE est conçu comme un rempart pour organiser la défense de la ville face aux marées exceptionnelles. Son principe est simple. Dans les trois embouchures de la lagune, des digues mobiles se dresseront à chaque grande marée. Il devrait être opérationnel en 2022. C'est un prototype unique au monde. En moyenne, il va fonctionner entre 4 et 7 fois par an. C'est le nombre de hautes marées que l'on a habituellement. Mais il sera utilisé de plus en plus souvent dans les 100 prochaines années si on prend en compte la hausse du niveau de la mer.